Bonjour à tous et toutes. Alors certes, le musée des Augustins a refermé ses portes, mais nous continuons à être avec vous à travers ces petites vidéos, le challenge 3 minutes, une œuvre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce paysage qui a été réalisé par une peintre, Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont, et nous sommes au cœur du 19e siècle. C'est une artiste qui s'est formée dans l'atelier d'un grand paysagiste, Pierre-Henri de Valenciennes, qui était un artiste qui ouvrait son atelier aux femmes. Et ça, c'est assez rare à l'époque. Et donc, elle étudie avec lui le travail de la perspective et de la lumière, et vous allez le voir. Alors ici, elle nous parle de la baie de Naples, parce que c'était une grande voyageuse, et comme beaucoup d'autres artistes, elle va en Italie un moment pour se former. Et là, en fait, elle nous propose eh bien, Naples qu'on reconnaît avec le Vésuve hein, qui fume encore, ou même juste en dessous, vous avez le château de l'œuf.